Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 19 mars 2022, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix Teddy. Troisième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce tournoi concouru sous la formule handicap, il ne faudra pas hésiter à faire confiance à quelques bases paraissant solides avant coup. Sur le parcours des 1400 mètres de la piste en gazon, tous voudront occuper une bonne place lors de ce handicap, pouvant réserver son lot de surprises lors de l'arrivée finale. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 7, Houtonne. Piloté une nouvelle fois par Christophe Soumillon, ce cheval vient d'enlever sa course à condition du côté de Marseille Vivo sur le sable. Retrouvant le gazon et une piste qu'il affectionne, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 2, Master Boy. Anastasia Vatel l'aime beaucoup et pense qu'il demeure en léger retard de gain. Pénalisé suite à son dernier succès sur l'hippodrome de Cagnes, obtenu dans un quintet avec une grande autorité, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Goldino Bello, qui va effectuer une rentrée mais qui n'est plus à présenter dans ce genre de catégorie et qui partira avec la grande confiance d'un certain Gavin Herman. En quatrième position viendra le numéro 9, Sparklia. Portant la casaque des frères Vertemer et bien lotie dans les stalles avec le numéro 4, elle peut compter sur la précieuse aide d'un certain Maxime Guyon. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Romantic Moon. Elle rentre ici, mais comme elle a de belles qualités, il ne faut surtout pas la négliger dans cette compétition. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Crew Dragon. Pour son premier handicap, ce pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez sera confié à un certain Olivier Pellier, qui ne manque que très rarement ses objectifs. En avant-dernier choix, le numéro 5, The Life Freedom. La famille Souchon fait appel au service de Michael Barzalona et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Be My Day. Il effectue une rentrée et aura une cote amusante, mais la famille Westmeyer y compte pour terminer dans les 7 premiers. En cas de non-partant, le numéro 14, Laris, qui fait feu de tout bois actuellement puisque sa dernière deuxième place est excellente, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux et terminerait notre combinaison en 8. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono et Terre Sélection indiquent le tiercé quarté quinté plus, le tout dans le désordre, pour des rapports malheureusement pas astronomiques. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.